Ouais. Oh putain, il est pas cher, les skills, ouais. Ah non, oh, j'ai jamais aimé, moi, le même celui sur la main. Master System, tout ça, j'ai pas trop. Je suis pas fan. Dis que le jeu ils ont là, ça ou ils ont ça là. Dis que le jeu là, il est passé à 20€. Quand il était sorti, ils l'ont retiré de la vente. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas le droit de. Ils n'avaient pas le droit du créateur de le mettre en vente, etc. Ils se revendaient 100 balles. D'accord. Et maintenant, il vaut plus que 20€. Mais c'est pas là les seuls, il n'y a pas. C'est pas les seuls ça. On n'est pas au bon endroit, je pense. Ils ont peut-être mis un peu plus loin. Regarde, la Supercell. Ah, c'est là-bas, regarde. J'ai trouvé. Salut la Supercell. Ouais. Ah, ouh. Bien. Ouais, bon. Ça va. Ouais, j'aime le voir. Mais ça m'intéresse pas. Ah, par contre, ça. C'est un jeu de rythme. Ah, mais 100 balles aussi. Non, c'est de la merde. Je suis il est pas bien le jeu. Bah, je l'ai déjà le jeu, mais c'était le collector qui m'intéressait. Non, mais il n'y a rien de collector. Hein. C'est un collector rouge. Hein. Ah, ok. C'est une sortie. D'accord. Hein. Je savais pas. Okay. Bah, merci pour le tuyau. Dark Souls, moins 50. Chier, j'ai déjà tout. C'est pas foufou cette année, hein. Mais déjà l'année dernière, il me semble que c'était pas terrible. Troisième. C'est des mini bornes d'arcade. C'est quoi vendu en l'état? C'est de l'occasion. Hein? Après, ils mettent vendu en l'état, ça doit être de l'occasion. Soit c'est de l'occasion, soit parce que la boîte est abîmée. Non, je pense que c'est la boîte est abîmée. Oui. C'est juste toi qui m'en avais parlé. Bah écoute, à part le Persona, puis. Je sais même pas c'est quoi comme style de jeu. Ouais bah laisse tomber, j'aime pas. J'en ai un seul de personnages, c'est le jeu de baston. Le Arena, je sais pas quoi là. Ouais, c'est mais ça a l'air bien l'univers, mais c'est du tour à tour ouais, alors je sais pas. Mais après des fois il y a certains tours à tour que ça passe. Bon bah écoute, les seuls ça va être bouclé ça. Ouais ouais. J'ai eu deux fois sur la One et sur la PS4. Ah je cherchais un film Piranha 3D2. Bah ben quoi, on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on a? On a bien caché de façon Furious 18. Là. Ah, puis Leclerc a fusé, ils vendent carrément des CD de métal et tout. Ouais. Mais j'ai rien trouvé de. J'ai vu un CD de Imur, mais je l'avais déjà. C'est Imur, c'est le truc que je t'ai fait écouter la dernière fois que t'as pas aimé. Mmh. Oh, les Naruto, j'ai connu qui serait là. Après, les a déjà tous vus sur Netflix. DVD, t'as 5 épisodes là-dedans. Ouais, puis ils sont déjà tous sur Netflix, donc ça sert à rien de les acheter. Quoi. Là, t'as 12 épisodes. Ouais. Rien de foufou. Putain, bah ça fait cher le détour. Alors les jeux quand même, on les regardait. Mais... C'est quoi que tu m'as montré, c'est ça? Ouais. C'est bourne. C'est un truc de pichenette. Ouais, putain, pourtant il y a des bonnes soldes, mais il n'y a pas de bons jeux. C'est tout du moins 50, moins 70 quand même, pour dire. Tu veux pas un casque rose? Geek Girl. Bon bah on va se rapatrier sur l'occasion. Hein. Je veux 20 balles. Ah mais y a rien de c'est rien de foufou là. Ah 10€. Mais c'est ceux qu'on avait vu déjà l'année dernière, tu te rappelles? Ils sont encore là. Personne n'en veut. Ouais mais il est cher, je sais, j'ai déjà vu. Yakuza 0, je sais plus si je l'ai, mais c'est un PlayStation, il te fait chier. Près 10 balles, le top. Ah mais j'aime pas, c'est moche. C'est horrible. Je sais même pas comment ça peut marcher. C'est faire une figurine avec très peu de budget et leur vendre trop plein pot. Bon ben ouais.
On va repartir aussi riche qu'on est venu, je crois. Celui-là, je l'ai, mais je sais pas si les DLC sont sur le CD ou pas. C'est pas marqué, putain. Mais il me semble que si. Dragon Quest Heroes. Pas de prix. Ah, le Kakarot, je l'ai en version promo, moi. Promo. Tu sais, les press kits qu'ils ont dans les Micromania. C'est une vendeuse Micromania qui me l'avait revendu. Elle est sympa. Elle m'a vendu un truc qu'on y a donné. Bon, après, voilà. Ah, le Borderland, là. Ah, mais il n'y a pas les prix, c'est combien, alors? On sait pas de quoi. C'est 20 euros le jeu. Il se touche. Je crois que je vais rien prendre. Que de la dope. Ah, c'est Ni no Kuni. Mais je l'ai déjà, mais pour ceux qui le veulent. Hein? Pour ceux qui le veulent, 20 balles. Ouais, mais il paraît qu'il est claqué. 20 balles? Ah, oh, peut-être le prendre à ce prix. Ah, oh, mais sur PS5, oh, bah non, laisse tomber. Oh, par contre, le Nier Replicant. J'ai pas vu. La PS5. Bah non, je préfère les avoir directement sur PS5. Mais bah, je l'aurai bien un jour. Je suis pas pressé. Bah oui, mais ça me sert à quoi. C'est ça. Là, j'ai vu le Nier Replicant, je crois qu'il est sorti sur PS5 aussi. Je sais plus. Je sais qu'il est sur One. Je suis pas sûr. Sur Series, je veux dire. Je sais pas. Attends, est-ce qu'ils ont déjà des jeux PS5? Bah normalement oui. Ah ouais, il y est. Il est sur PS5. Après, ça se trouve, ils l'ont pas aussi. Logiquement, ils devraient l'avoir. Moi, je vais vérifier sur internet parce que ça, mais 40 euros, ça fait quand même cher, genre, quand il baisse. Oh putain, c'est pas mal ça. Ouais, c'est joli, mais. C'est joli, mais trop cher. Ouais, même le 2. Ah, il y a encore des jeux soldés là. Putain, les Resident Evil et tout, c'est pas mal, mais bon. Voilà les prix, quoi. Alors, je Switch Kodine Box. C'est quoi, c'est toute la 3DS, ça? Ça a abusé les jeux avec des codes à l'intérieur, là. Ils se touchent avec ça. Ouais, mais bon, c'est parce qu'il n'y a pas la place à la cartouche. Ouais, enfin. Surtout que ça leur revient moins cher. Bon, bah voilà, les soldes, c'est pas foufou cette année. L'occasion. On a le droit de solder l'occasion, je savais pas. Bon, tant mieux pour nous. Qui? Ah non, j'ai pas vu là, j'ai vu qu'il y avait des jeux, mais je suis pas allé. Quoi? Ouais, bah attends, j'arrive. Mais après, Life is Strange, c'est pas ouf. Ah, celui-là, il m'intéresse. Putain, mais 30 balles. Pff. Je veux PC, mais non. Mafia Trilogy, 30 euros, je le prendrai bien. Mafia Trilogy, 30 euros. Un bon 30 euros quand même. Ah, celui-là, je le voulais. On ça. Ah, j'ai vu tout à l'heure du Quan Lang, j'ai pas regardé. Ah, 7 euros le jeu. Ouais, bah, j'ai déjà. Il y a un Shenmue 1 et 2 là aussi. J'ai déjà. Life is Strange 2, je l'ai pas, mais j'ai pas fini le 1, ça m'a pas plus attiré que ça. Cette ouais, c'est ce que je me dis. Ouais, vas-y, je le prends. Newton, tu l'as? Ouais, ouais. Je voudrais bien le faire d'ailleurs. Je vais me mettre dessus. Putain, Walking Dead. Moi, 50%, c'était quand même 40 euros. Ouais, c'est pas ouf, hein. Je me tente à prendre le. Ça, c'est le Battlefield de combien? Là, ça fait 5 ouais. Ans qu'il est soldé. Personne n'en veut. Ah,
La One, ils ont pas de jeu. Donc les jeux, enfin, ils ont les mêmes jeux que la PS. Sûr, toi ? Non. Combien ? Il y a 15. Vas-y, je vais le prendre. Tu l'as, tu l'as ? Non, mais ça m'intéresse pas. Elle a la complète édition en plus. 15 euros. Putain, mais les jeux Switch, c'est rare d'en trouver, quoi. Non, mais c'est toujours les. Bah ouais, mais. Cacarotte, tu l'as déjà. Paper Mario, il est pas bien. Il est déjà. Oh. Il est déjà. Inokuni, ouais. Tu l'as sûr. Ouais, ouais, mais je l'ai acheté il y a pas longtemps, je suis dégoûté. Celui-là, non, celui-là, moi, il y en a constant. Ouais. Oh, mais 40-50 euros de base aussi. C'est les prix de base qui montent pas. Ah, il fait trop chaud, genre, il me casse les. Je demande. Je prends le jeu et puis je vais me barrer. Sûr, j'ai cherché aussi. Toi, c'est un jeu un peu style Gundam. Oh. Ah, j'avais lu 100 euros, j'avais dit 100. C'est quoi, c'est quel le jeu je prends? C'est un jeu VR. Moi, 50, 2. Bah, celui-là, ça fait 10. Ouais. Vas-y. Ça fait quoi, 15 euros ça? Star Wars Pinball. Hein. Ouais, faut ça va baisser ça. Ah, avec Gamer, tu l'as sûr? Non, mais je le veux sur PS4. Ah, il a combien de CP? 15 balles? Ouais, faut le reste, ça m'intéresse pas. C'est trop chaud, hein. Salut YouTube, on se retrouve pour un compte rendu sol, j'allais dire vide grenier. Compte rendu seul, c'est la première fois que j'en fais un. Je pensais pas que c'était nécessaire de montrer ma tronche. Et puis j'avais surtout la flemme d'installer tout mon matériel, entre guillemets. Donc je vais vous montrer que les jeux que j'ai rentrés. Vous avez vu, j'ai pas fait de présentation. Il y aura juste mon générique et puis un montage d'un ou deux magasins, je me rappelle plus, que j'ai fait. J'ai pas fait tous les magasins parce qu'il y en a beaucoup que j'ai où je suis allé chercher les jeux pendant ma pause au travail. Et quand je suis au travail, j'évite de filmer dans les magasins, parce qu'en cas de problème, j'ai quand même, je représente ma boîte. Donc, si on me dit ouais, faut pas filmer machin, qu'il y a une embrouille, je préfère pas avoir d'histoire avec le maillot de ma boîte. Donc, quand je suis en civil, je peux me permettre, et quand je suis au boulot, c'est au boulot, donc je peux vous montrer que ce que j'ai trouvé. Et malheureusement, j'en trouve plus souvent quand je suis au travail, parce que je fais plein de magasins, les Inter, les Leclerc, etc. Et les magasins à proximité et pendant mes pauses, donc c'est pour ça que je trouve beaucoup de choses aussi. Parce que si j'avais fait que les magasins près de chez moi, j'aurais trouvé un jeu et encore. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai rentré et puis voilà, c'est tout quoi. Alors pour l'or, on a trouvé un manga. Voilà, Dreamland, donc il valait 9 euros et on l'a eu à moins 50, donc 4 euros. Voilà, donc je sais même pas si elle l'a, on devait regarder d'ailleurs, on a oublié. Parce qu'elle en a quelques-uns, c'est le tome 19. Ça, c'était à Auchan, il y avait aussi des GTO. Voilà, donc à Auchan aussi, mais pas le même. Après, c'est pas une solde, je crois que c'était des jeux à 10 euros. Non, je dis des conneries, celui-ci, il était à 7 euros, je crois. Mais je sais plus, c'était une offre, c'était pas une solde, c'était une offre spéciale. Jonathan, si tu regardes cette vidéo, rappelle-moi, je me souviens plus, il était avec moi. Je l'ai revu en solde dans d'autres Auchan et dans d'autres magasins. Il était plus cher, donc je l'ai bien fait de le prendre. Il me semble que je l'ai payé 7 euros. Ouais, c'est ça, parce que j'en avais pour 25 euros, si je me trompe pas. Voilà, donc le GIR 5, j'avais les 4 autres. Donc je me suis dit, à ce prix-là, pourquoi se priver? En plus, avec la Super Xbox One X Cyberpunk, c'est parfait. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci à Leclerc, donc Immortal Realms Vampire Wars. Alors celui-ci, si quelqu'un veut l'échanger, je vais le foutre en vente, parce que... Du coup, en fait, j'avais pas fait gaffe que c'est un tactical RPG. Je suis pas trop fan, moi j'aime pas trop les jeux figés, j'aime bien quand c'est un peu vif, j'allais dire, mais ouais, vivant plutôt. Voilà, donc à voir, je pense pas que je le garderai. Ensuite, celui-ci, Harvest Moon Lumière d'Espoir. Donc il était à 30 euros et je l'ai eu à moins 50, donc ça fait 15 euros environ, 14 quelque chose. Vous allez voir juste après que je l'ai acheté pour rien. Donc celui-ci, pareil, je l'échange ou je le revends. J'ai retrouvé juste derrière, donc un ou deux jours après. Par contre, c'était où? C'était à la Fnac, ouais.
Moins 50%, donc c'est le Harvest Moon Light of Hope, donc c'est Lumière d'Espoir. Par contre, c'est tout marqué en anglais, mais par contre, il y a le panneau français, j'ai pas compris. Mais en fait, c'est les deux mêmes, hein, que Light of Hope, Lumière d'Espoir. Pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire c'est la même chose. Et sauf que celui-ci, c'est la complète édition, donc celui-ci me sert plus à rien, quoi. Voilà, donc ça, c'est plutôt des jeux pour l'or, c'est pas pour moi. Donc celui-ci valait 30€, je l'ai eu à 15, donc si j'avais su, j'aurais pas pris l'autre. Ensuite, Life is Strange 2. J'ai même pas fini le 1 d'ailleurs. Celui-ci c'était une offre, c'était pas une seule, c'était une offre Auchan et je l'ai eu à 12€ je crois. 10 ou 12€. Parce que je sais que de mémoire ça me faisait 25€ les 3 jeux que j'avais pris. Ah, je sais plus exactement. De toute façon vous voyez dans la vidéo normalement. Ensuite BizQuest, celui-ci je l'ai eu à Leclerc si je me trompe pas. C'était le tout premier jour où j'ai fait les soldes. En sachant que j'y suis allé au moins 2 jours en retard, j'avais complètement oublié les soldes. C'est la vidéo de Kirby qui m'a rappelé. Donc il était à moins 50%. Donc 26,90. Donc ça fait 13€ quoi, environ. J'ai pas trop la tête à calculer aujourd'hui. Donc voilà, c'est bien Leclerc. Celui-ci, pareil, je sais pas ce que ça donne, c'est du RPG tour à tour. Alors, à voir, l'univers a l'air sympa, mais je sais pas si ça me plaira. Ensuite, toujours à Leclerc, le premier jour que j'ai fait les soldes, le Senran Kagura, je sais pas si ça se dit comme ça, Burst Renewal. Donc, il était à 40, que j'ai eu à moins 50, donc à 20€. Ça a l'air d'être un action RPG japonisant. J'ai regardé un petit peu des gameplays, ça a l'air vachement bien. À voir. Ensuite, celui-ci, je le voulais trop, puis j'étais déçu quand j'ai vu le gameplay. Donc, Earthlock Festival of Magic, 24,90, à moins 50%. C'était à Leclerc aussi, il n'y a pas l'étiquette, mais c'était moins 50%. Pareil, j'ai vu que c'était du tour à tour, mais l'univers a l'air vraiment bien. Donc, quelquefois, comme Ni no Kuni, c'est un peu entre les deux, action, RPG et tour à tour, ça m'a plu. Les Pokémon, ça passe encore. Il y a quelques jeux que j'aime bien. Mystic Quest, dans le temps, que j'avais adoré sur Super NES. Donc, j'essaierai quand même. À voir. En tout cas, la jaquette, elle a de la tronche. Voilà. Ensuite, The Inpatient, que j'ai eu à la FNAC, à moins 50%, donc à 10 balles. Voilà, c'est le prix qui vaut à peu près en occasion. Donc, un jeu VR. Ça fait longtemps que j'ai pas branché le casque, j'ai la flemme à chaque fois. Ensuite, je me rappelle même pas que je l'avais celui-là. Pillars of Eternity, je me rappelle plus du tout que je l'ai acheté. Leclerc, c'est les étiquettes de Leclerc, je crois. Ouais, c'est ça, il me semble. Attendez, je vérifie, que je vous dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc celui-ci, à moins 50%, c'est pour ça que je l'ai pris, 15€, ça fait 7€, voilà, je chipote pas 200 ans. Ensuite, le contrat que j'ai chopé, ça je sais plus, c'était au boulot, ça devait être un Leclerc peut-être, est-ce que c'est marqué quelque part? Je pense, ah oui, un Leclerc, ouais, Leclerc. Donc je l'ai eu à 10€, Jonathan m'a dit que c'était une purge, mais bon, je me suis dit pour 10€, pas se prendre la tête. Voilà, et enfin, ça c'était à Auchan, je sais plus lequel, mais à Auchan. Donc, en plus, ils sont plantés, donc il est étiqueté à 20€, ils m'ont fait moins 50% de 20€, on est d'accord, et en fait, eux, ils l'ont mis à 14,99€, donc ils m'ont fait à 7,50€. Donc, erreur, je crois, en ma faveur, donc voilà, nickel. J'ai le 1, et puis, ben, j'avais pas celui-ci, il paraît que c'est bien, donc... Voilà, à voir. Donc, c'était tout pour les soldes, on va dire première mi-temps, parce que je pense que j'en retrouverai d'autres. Et puis, à plus, salut!